monde, ici Candy Candy et Kogenta. Et on se retrouve pour encore une cosplayeuse. Je l'ai dit, je le disais hier, je suis le seul garçon. Pour une nouvelle cosplayeuse, donc aujourd'hui on parle de Pink Spirit. Qui encore une nouvelle. Qui incarne la nouvelle Alia. Voilà. Voilà. Que vous avez pas encore vu dans les lives, mais que vous avez vu dans d'autres vidéos annexes. Elle est très souvent présente avec nous. C'était une de nos anciennes fans à la base. La première vraie vidéo qu'elle a fait avec nous, qui a été postée, c'était justement la sortie à Disney au 1er octobre. C'est ça. Donc c'est vraiment la première vraie vidéo où elle est apparue, parce qu'elle n'a pas encore, enfin le live où elle est dedans arrive. Bah c'est Climatica quoi, c'est ça. Il arrive. Il se fait long mais il arrive. Il arrive. Donc on vous laisse tout de suite avec Pink Spirit et elle va vous en dire un peu plus sur elle. Salut tout le monde, donc c'est Pink Spirit Cosplay qui fait le rôle d'Alia, voilà. Mon rôle dans les live cosplay, je fais Alia Césaire depuis mai 2017. Vous ne m'avez pas encore vue dans les live cosplay, mais c'est normal, j'arrive au prochain, c'est-à-dire, donc maintenant c'est plus en secret, Climatica. Donc voilà, vous allez me découvrir et je suis contente. Alors, comment j'ai rejoint la team? Du coup, moi je suis vraiment partie du stade de fan à membre de la team, alias ami aussi. Et tout a commencé, j'ai découvert Miraculous et ensuite j'ai découvert Candy et Kogenta. Je les ai suivis un peu et en décembre, je suis allée les voir pour la première fois en shooting. Et depuis, je les ai suivis dans un peu tous leurs shootings pour voir ce qu'ils faisaient. J'ai assisté à quelques scènes tournées de l'épisode Revalpina, plein de shootings et puis voilà. Et je trouvais ça absolument génial. Et accessoirement, j'ai aussi fait Alia dans le Millionnaire Cosplay Show, qui est une émission en parallèle animée par Kogenta. Voilà, un petit coucou à toi. Tu seras content de pouvoir faire de la pub pour ton émission, hein. Du coup, ça m'a beaucoup aidée. C'était d'ailleurs mon premier cosplay Alia, assez simple, puisque elle a une chemise orange, un jean et des baskets, ce qui n'est en soi pas très très compliqué techniquement parlant. Donc, en mai, ils m'ont proposé de faire Alia comme leur ancienne Alia partait à l'étranger. J'ai accepté tout de suite, forcément. C'était juste le summum pour moi. J'étais très heureuse, totalement heureuse. Je veux dire, c'était un mini rêve depuis le temps que je les suivais, enfin bon voilà. Et puis depuis du coup je fais des shootings avec eux, avec toute la team. On va dans tous les endroits de Paris et c'est vraiment super, je m'amuse. C'est super amusant. Qu'est-ce que la team m'a apporté? Pour le coup, énormément de choses. des nouveaux amis, forcément, des nouvelles connaissances de tous les âges, sachant que je suis la plus jeune de la team. J'ai 15 ans et ils sont tous au-dessus. Du coup, ça me permet de pouvoir me vanter en disant que j'ai des amis plus grands, mais bon, ça... voilà, et puis accessoirement plus d'autonomie, puisque je me balade dans Paris du coup seule avec eux du coup, mais voilà. Et sinon, rencontrer les gens, surtout les enfants, c'est trop mignon. Quand ils viennent vers nous, bon, généralement c'est pas pour moi qu'ils viennent, hein, mais quand ils viennent vers nous pour avoir des câlins, des photos, c'est trop marrant et je connaissais pas ça et c'est juste super. Au début, quand j'ai vu les vidéos de Candy et Kogenta, je me disais que ça devait être hyper gênant de tourner alors qu'il y avait plein de gens autour qui regardaient, et puis maintenant je trouve ça juste trop marrant à faire. Pour tous ceux qui n'osent pas venir nous parler, nous voir, prendre des photos, etc., je tiens à dire que j'ai été à votre place, que je sais c'est quoi le sentiment, et qu'il faut pas hésiter du tout. Mais vraiment, pas du tout. Voilà. Alors, mes futurs cosplays, ça reste autour d'Alia, pour le coup. Donc, j'ai fait Alia Hiver déjà. J'en suis très fière parce que j'ai cousu les petits losanges tout seul. Voilà, bon, c'est pas grand chose, mais j'étais fière de moi quand même. Du coup, je veux faire Alia Volpina aussi. C'est dans mes projets, même s'il faut que je m'améliore en couture avant de me lancer dans une combinaison. Mais c'est un de mes projets, un de mes plus gros projets pour l'instant.
je vois pas trop l'intérêt de faire Lady Wifi puisqu'elle a déjà été faite. Mais si on en a besoin et si j'ai l'occasion, ça me dérangerait pas. J'ai commencé aussi Alia version bal, même si ma première version était pas terrible, vous avez pu la voir dans le vlog à Disney Halloween. Je pense que je la recommencerai et je mettrai plus de détails. Voilà, donc j'espère que j'aurai encore l'occasion de faire plein de choses dans la team, que... on fera encore plein de vidéos, que ce sera pas mon seul Miraculous Live Cosplay, j'espère que ça va continuer longtemps, voilà. Je me lance à peine dans le cosplay, contrairement à eux tous qui sont dedans depuis un moment. Du coup, c'est que le début de tout pour moi et je compte bien profiter encore longtemps, voilà. Oui, je n'ai pas de chaîne YouTube, ouais, mais par contre, j'ai Instagram et j'ai Facebook, même si Facebook, je poste un peu moins. Mais vous pouvez quand même aller me suivre. Voilà, donc vous pouvez aller checker, ça fera plaisir. Il n'y a pas que du Miraculous, mais il y en a quand même. Du coup, je vous dis bye bye. Je vous laisse à Koyenta et Candy Candy. Bisous tout le monde. Et voilà, c'est terminé. Time's up. Time's up. Au revoir les copies. Donc on espère que vous avez fait plus ample connaissance avec Pink Spirit qui incarnera donc notre nouvelle Alia. Alors toujours pareil, hein, malheureusement, comme Gabi, pas de spoil. Pas de spoil, bah non, évidemment, pas de spoil sur l'épisode 4 puisque bah il est pas encore sorti. Donc no spoil, hein, comme voilà. C'est ça. Donc on vous donne rendez-vous demain pour un nouveau cosplayer ou une nouvelle cosplayeuse. On va savoir s'il y a enfin des hommes dans cette team. Hormis moi et l'équipe de prod. Allez, on vous dit à demain.